Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de ce Let's Play sur Born by Flame. Continuez. Donc la dernière fois, on avait appris qu'il y avait l'assistante du médecin qui avait disparu dans les marais, qu'il y a une bête, ou potentiellement une bête qui hante les marais, mais rien n'est sûr. Et on avait fini par un petit combat, assez copieux, contre Randval, le chevalier. J'ai réussi à le battre donc au bout de 2-3 essais. C'était assez complexe. Et parce que je faisais pas beaucoup de dégâts, puis lui il m'en faisait pas mal. Donc attendez, je vais. Qu'est-ce que j'ai. Ah, épée de secours, brise-garde. J'ai des. Ah. Hop, oui, plus 3. Oh, ça c'est bon ça. Équipé, armé, amélioré, c'est ça. Amélioré, garde de capacité de. Dégâts physiques plus 1. Ah, moi je suis quand même un bourrin, donc on prend celle-là, oui. Et l'autre. Chance de coup critique. Dégâts physiques. Je vais. Attendez. L'équipement, déjà, on va l'équiper. Oui, donc elle est meilleure en tout. Hein. Ah, quoique non. Chance de coup critique, elle est pas meilleure, mais bon. On va quand même l'améliorer encore. Les possibilités. Chance de coup critique plus 3% à bâtir, voilà. Oui. Voilà. Quoi ? Capacité d'interruption. Oui, bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas ce que je voulais voir en fait. Trouver le repère de la bête des marais. Ok. Donc, là maintenant, il faut sortir. Et je pensais que Randval il devait venir avec nous. Et Sibyl, elle vient pas? Bon. Dommage. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que le truc est plus de s'habiller? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on y va? Je pense qu'il faut descendre. Et on peut pas descendre manifestement. Ça ressemble à pas un escalier mais une descente. Nigel plutôt. Non, je vais pas parler pour le moment. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas avec les. Bon, le sablier, c'est un endroit où je pourrais dormir, me reposer. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis si loin. Je vois bien l'utilité, surtout qu'il y a de la régène. Mais il y a. Ah, il y a ça. Oui. Nourriture pour le dispensaire, voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Attendez, il y a un 2 là. Parle au capitaine. Bon. Gods, these people are amateurs. This village is about as secure as your granny's underwear. Not a single watchman at his post. It's worse than I'd imagined. I'll deal with this, Captain. Good. I'm counting on you. Remember, if you screw this up, we'll all be joining the ranks of the Deadwalker army as soon as we find this place. Ça va, il met pas trop la pression.
Captain, I just fought a duel with Ranval, the guardian of the village. Before you start yelling about wasted energy, I want you to know that it was his idea. He's one hell of a fighter. He hits you like he was chopping down a tree. And he could take a blow and shake it off. He wants to join the Blades. I have the feeling that every new recruit I take on these days is headed straight for the cemetery. But considering the losses we've suffered, I suppose I can't refuse. Bring him here to me. I'll check him out. The villagers told me about a beast. I need to find its lair. Hawk talked to me about that a while ago. He said he'd found some suspicious-looking tracks that led back to the northern swamps. I'll go and follow the tracks. Where's Hawk? No idea. I sent him off to scout that part of the swamp, but he hasn't reported back yet. You wanted the Freeborn Blades to help the villagers. Is that still happening? As long as we have to stay here, yes. Why? Puis il pourrait supprimer les... Captain, I wanted to ask... Bon, hop. Je m'en fous. Je vous laisse. I'm leaving. Voilà. Alors, la carte. Ah, ça y est, il n'y est plus le 2. Et il y en a un autre. Mais non, mais c'est pas le même 2. Allez vers Marc, la vue Delta. Delta Sud. Non. Alors, le Sud est par là. Donc, le Nord est par là. Logique. Enfin bon, c'est pas... Je vais prendre la porte qui m'a amené ici. Est-ce que c'est... Non. Parler à Buffle. Oh non, j'en ai assez de parler. Allez. On s'en va. J'aimerais bien un peu d'action. Bon, puis quand il va y avoir de l'action, je vais râler parce que... Il y a de l'action. Et encore de la bouffe, non? Allez, Agathe. Agathe de blues. Bon, hop, cette fois on y va. Ça s'est baladé. Je sais pas si c'est par là que je dois aller, hein. Aller vers les marais, route de bleu. Oh non, c'est pas par là que je dois aller. Et puis on peut pas descendre. Ce serait tellement plus simple qu'on saute là. Comment ils ont pu ne pas faire de saut? C'est extraordinaire ça quand même. Ben non. Putain. À moins que ça soit quand même une sortie. Ouais. Ah bon, je vais récupérer les vivres. Non, c'est pas, je vais pas parler à Mason. Je vais récupérer les vivres. On va parler à Mason. Mets lui un taquet. Would you just shut your stupid mouth for 2 seconds, please? The steward sent me here to help you. Oh, that's all I need. Don't he think I got enough on my plate? Now he sends me some ore blade from God's nowhere. Hey, as long as it ain't me is paying for you, eh? You want to help? Knock yourself out. But I warn you, there's plenty to do. Get to the point before I set a torch to your breath. All right, take it easy. No need to get nasty. C'est quand même lui qui est agressif. Yes or no? K,
keep talking. Well, for a start, you could try and find one of my patrols that's gone missing. At first, I thought maybe one of those half-wits was sleeping it off under a tree somewhere. But it's been a while now. Maybe something bad happened to him in the swamp. I guess I could go back and check. What a coincidence. That's exactly what I was gonna ask you. After that, well, I suppose a pro like you, I guess you would be useful helping out the sentries. It won't be luxury. I don't know if you've seen what we're supposed to fight with, but... Well, if you can have a word with your quartermaster to see what he can do for my lads, you have my blessing. The benediction of a droid. Better and better. It's what all us fucking mercenaries dream of. All right, I'll see what I can do. Right. We may be living in the arsehole of Virtue, but being armed like a bunch of tramps... Allez, abrège. And while you're at it, when you've been to the forge, you'll probably feel like letting off steam a bit. Why don't you go and take it out on my lads? What do you mean? Kick their arses so they can't sit down and get drunk instead of patrolling. And show them a couple of tricks while you're at it. A bit of training. Couldn't do no harm. Your men can't afford to keep their thumbs in their asses. It's time to teach them how to use those weapons. Knock yourself out, petty bleed. I'll go and shake them awake. Alors. Merde. Putain, je suis coincé là. Ah bordel, je suis obligé de rester en garde. Et puis... Allez. Alors, attendez. Hop. Et je vais claquer là. Mais je peux rien faire là, je peux pas bouger, je suis obligé de rester en garde. Ouais, je peux pas bouger, je peux rien faire. Là c'est extrêmement mal foutu. C'est pas seulement parce que je suis mauvais. Hein. Alors je vais. Ah merde. Il faut que j'aille régler leur compte aux archers. Je peux rien faire, je peux pas bouger. Et puis j'ai les archers qui me tirent dessus, là, franchement, je vois pas ce que je peux faire. Bon, allez, on va y aller à la barbare. Je ne peux strictement rien faire. Est-ce que je vais essayer autre chose? Ah mais de toute façon je peux pas. Ah oui mais si je suis comme un naze. Putain.
Putain! Allez, je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche et au lieu de me prendre potion, j'ai... Laborieux, laborieux, laborieux. I couldn't have done better. I reckon the lesson is gonna leave a few marks this time. Have you got time to go again while they're still warmed up? Non. I'll let them recover a little. I can't teach them if they're lame. Et là, j'ai galéré à 4 contre 1 avec deux qui tirent. Bon, tiens, on va voir, est-ce que je peux lui filer déjà un truc. Vulcan, unless I miss my guess. What brings you here? Bon, je vais leur I'd like to see what you have to sell. Non, c'est horriblement cher. J'ai quasiment pas d'argent. On va voir, qu'est-ce que je peux vendre. Que dalle ça. Besgar, ouais bon, on laisse tomber. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est horriblement dur hein, quand il y a. Surtout qu'on peut pas sauter, on peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Bon, alors moi je voudrais sortir. Bon, je vais aller vers le 2 là. Non. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. C'est buffle, ok. J'ai fait tout. Oh, ça me gave. Je veux sortir, je veux sortir. Je suis perdu. Bon allez hop, on va dehors. Tant pis. Mais c'est extrêmement dur quand on a deux archers puis deux mecs au corps à corps avec. Ils me font beaucoup de dégâts et puis moi je suis obligé de taper 15 fois pour à peine les entamer. Bon, où est-ce qu'on doit aller? Est-ce que c'est vers le 1? De sauvegarde là. Ouais, donc apparemment le symbole quand il est en haut de l'écran c'est la sauvegarde. Attendez, je vais m'équiper de l'autre. Je suis plus à l'aise avec les dagues quand même.
puissant. Ah bah c'est là où on avait galéré. Hop, on monte. Oh, j'ai récupéré pas mal. Fais voir ce que c'est ça. Destin. Destin. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Apparemment, il allait... Ah, descend, putain. Non, c'est pas... Bon, c'est moi qui me trompais. Je sais pas si elle est meilleure à la base. Ouais, elle doit être meilleure à la base. Non mais je sais pas si comment faire. Alors je vais pas risquer de perdre l'arme. Attends. Chemin des ruines. Bon, on va. Moi, je suis désolé hein, de pas être très très bon là, mais bon, de toute façon très très bon, c'est difficile de l'être. Mais je patauge un peu là. Bon, on va sauvegarder parce que je sens qu'on va pas être tranquille longtemps. Hop. Je vais descendre là. Oui. Est-ce que je peux remonter au moins? Oui. Bon, il y a un truc à récupérer. Ah oui. Mais... Ah putain, mais pourquoi ils ont laissé le décor visible comme ça? Ah mais... Je ne comprends pas là, je peux pas bouger. Non, il y a un problème là. Le décor, dès que je suis la caméra derrière le décor, je ne vois plus rien. Moi, je veux bien que je sois pas bon. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais là, je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux faire? De mettre pause comme ça pour merde, je me suis trompé là. Ah merde, putain. La souche elle bouge. Alors attendez, voilà, faut que je fasse pause, que je bouge la caméra et que je revienne. Ah.
Non, là, c'est franchement lourd. Hein. Regardez, mais j'ai bricolé un peu avec OpenGL. C'est un moteur, enfin, avec un moteur graphique qui utilise OpenGL. Il y a possibilité avec les textures que quand on est d'un certain côté, qu'elles soient transparentes, qu'on ne les voit pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est pas ça que je veux. Bon, on va sauvegarder un point. Éviter d'avoir à se retaper une saleté. Non, mais là c'est pas du bon boulot. C'est pas du bon boulot, je regrette. Hein. Tourne-toi, putain. Eh putain, c'est des gros ça. Recule, putain. Je peux pas reculer. Moi je les vois très bien là. Putain, mais c'est incroyable ça. Puis je ne peux pas bouger la caméra, je peux la bouger comme ça seulement et je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. Là, c'est pas ma... Ah, putain. Bon, allez, meurs. Allez. Allez, non, je laisse tomber pour aujourd'hui. Allez, hop. On est plein le cul. Faut pas exagérer. C'est du médiocre. C'est du médiocre. Je suis derrière une feuille, je ne vois pas ce qui se passe. Je suis en train de me battre à 4 contre 1, je peux pas bouger. La caméra ne suit pas. Ils auraient pu faire une caméra dans tous les sens, mais il y a des endroits, non. Elle peut bouger que de gauche à droite, mais pas... je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ouais, j'en ai plein le cul. Hein. Allez, je vais m'excuser, mais voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode, et en espérant vous retrouver la prochaine fois. Allez, au revoir.